retour après la pause. Merci pour fidélité. Merci d'être que vous toujours été connecté ensemble avec nous. Merci à tous les sponsors nous, sans nous pas oublier Fosmo Radio qui a fait un gros travail dans les États-Unis, pub promo, Willen Swag promo et avec ou même tout qui toujours été connecté ensemble avec nous. Et qu'on y a, nous prenons l'entrée dans la rubrique Info Stand là, on a suivi ensemble avec nous. Qui n'a jamais assisté à un spectacle où l'on interprète l'une de ses chansons? Peser café. Maman m'envoyait peser café. Oh. En arrivant, moi sous portail, mais nous gendarmes arrêtés. Maman m'envoyait peser café. Oh. Ou encore yo-yo. C'est un bon garçon, les vont bien, la bout marche en bas. Complète paysanne. Où aime pas qu'un famille, où aime pas qu'un ami. Kaima de Bruno, où vivent le football et tant d'autres, puisque ce sont des œuvres qui ont transcendé les générations. Vous ne vous demandez jamais d'où sortent ces chansons traditionnelles qui font aujourd'hui partie de notre patrimoine et pour la plupart sont des pièces d'or de la musique du théâtre, puisque vous avez l'impression que ces chansons ont toujours existé. Aujourd'hui dans InfoStar, pour saluer son départ le dimanche 29 novembre 2020, on va présenter un petit portrait de Raoul Guillaume, ce grand musicien haïtien des années 40. Lui qui nous a légué ses classiques cités précédemment. Né à Port-au-Prince le 7 décembre 1927 et connu comme spécialiste de la mérengue haïtienne après avoir été formé à l'école Saint-Louis de Gonzague, Raoul Guillaume a débuté sa carrière très jeune quand il a intégré l'orchestre Issa El Saïe en 1941, qui était l'orchestre le plus célèbre de l'époque. Raoul Guillaume était un musicien aux multiples talents, chanteur, compositeur, chef d'orchestre, poète, humoriste, comptable, bricoleur. Et il a pris part à la formation de plusieurs ensembles de musique en Haïti. On citera l'orchestre du Casino International, l'orchestre de Radio Nationale d'Haïti, le groupe de Raoul Guillaume. Il a joué aux côtés des musiciens emblématiques de la musique haïtienne, Lemou Jean-Baptiste, Weber Sico, Guy Durosier, Joe Trouillot, Romain Raoul, etc. Son instrument de prédilection était le sax alto et ses compositions ont été interprétées par des artistes haïtiens et étrangers, parmi lesquels Mikito Osuma, Benfor Merzalis, Sonora Mantensela, Los Jaro, Oscar de la Puente, Tipico Cibarreño, James Germain, Emeline Michel, le groupe Astrap, Gérard Dupierville, Guy Durosier et tant d'autres. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de ce monde et c'est tout simplement pour ça que sa musique, son exemple, son énergie continueront à bercer les générations.